Bonjour, bonjour. En période de Covid-19, il est important de savoir comment faire un engrais naturel et comment fabriquer son pesticide maison, comment fabriquer son insecticide maison pour son jardin ou son potager. Car il n'y a que des avantages à fabriquer soi-même son engrais. Car cet engrais est facile à réaliser, il est efficace et 100% bio. Cet engrais naturel, ce fertilisant maison, est donc une alternative aux produits chimiques et coûteux du commerce. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les quelques engrais naturels qu'on peut utiliser facilement chez soi. Parmi ces engrais naturels, nous avons le marc de café, nous avons les sachets de thé usagés, nous avons les coquilles d'œufs séchées, nous avons les peaux de banane, nous avons le purin d'ortie, nous avons également les cendres de bois, les algues marines, le compost. Je vous montrerai en bonus comment utiliser le marc de café et comment également fabriquer également son pesticide naturel. Eh bien, en ce qui concerne le marc de café, cette poudre noire est un véritable concentré d'azote et de phosphore. Le marc s'utilise toute l'année sur les plantes vertes d'intérieur et les salades. Pour l'utiliser, il suffit de l'incorporer à la terre. Vous pouvez également en ajouter une petite quantité dans la terre de rempotage ou de semis. En revanche, sur les plantes fleuries et les arbres fruitiers, il est préférable de se limiter à une application en début de printemps afin de favoriser la reprise après le repos hivernal. En période de floraison, son usage est déconseillé car l'apport d'azote favorise le développement du feuillage au détriment des fleurs. Les sachets de thé usagés. Nous passons maintenant aux sachets de thé usagés. Les résidus de thé contiennent de l'hydrate de carbone qui s'avère être un excellent booster pour vos plantations. Complémentaire du marc de café, l'utilisation de sachets de thé comme engrais améliore la floraison de vos plantes fleuries. Faites-les macérer dans un fond d'eau et utilisez le mélange en le diluant à votre eau d'arrosage. Maintenant, nous passons aux coquilles de séchées. Les coquilles de séchées, eux, cuits ou crues, elles sont riches en calcium, magnésium et potassium. En les déposant sur le sol, après les avoir broyées en morceaux, vous êtes sûr que vos plantes font le plein de minéraux au fur et à mesure de leur décomposition. N'hésitez pas non plus à arroser vos parterres avec l'eau de cuisson des œufs. Nous passons aux peaux de banane. Les peaux de banane. Amateurs de bananes, ne jetez plus les peaux à la poubelle, car elles ont une forte teneur en potassium, un nutriment dont les plantes raffolent et qui leur donne des couleurs éclatantes. Déposez des petits morceaux de peau au pied des plants ou faites-les tremper dans l'eau qui sert à l'arrosage. Nous passons maintenant au purin d'ortie. Le purin d'ortie, comme le purin de consoude ou de fougère, est un engrais bio efficace sur les plants du jardin, les fruits du verger et les légumes du potager. Selon le dosage, il peut être utilisé comme fertilisant, comme insecticide ou comme traitement de certaines maladies. Le seul petit bémol, son odeur quelque peu ragoûtante. Évitez donc de l'utiliser en pulvérisation et stockez-le dans un seau couvert ou un bidon renfermable. Après filtration et dilution, ajoutez le purin à votre eau d'arrosage. Vous pouvez également déposer quelques feuilles d'ortie fraîches directement dans les trous de plantation lors de la mise en terre de légumes ou de plantes. Sans plus tarder, nous allons continuer avec les cendres de bois. Elles sont parfaites pour enrichir la terre du potager ou nourrir une pelouse.
Vous n'avez qu'à épandre les cendres sur le sol et les prochaines pluies se chargeront de faire descendre progressivement les nutriments dans la terre. Déposez en couches plus épaisses la cendre, tout comme les coquilles d'œufs concassées ou les épines de pin, crée une barrière naturelle pour éloigner les limaces et les escargots des cultures. Les algues marines, si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, les algues marines vertes ou brunes constituent un bon moyen d'enrichir la terre en azote et phosphore. Utilisées en paillis fertilisants, elles libèrent leurs minéraux dans la terre en séchant sur le sol. Elles peuvent aussi être émiettées pour être enfouies directement dans la terre. Parallèlement, elles favorisent l'absorption des nutriments par les plantes et augmentent leur résistance face aux maladies. Le compost, comme nous l'avons vu précédemment, en aménagement un composteur dans votre jardin. En aménageant un composteur dans votre jardin, vous pourrez recycler vos déchets verts de tonte et de taille, ainsi que certaines de vos ordures ménagères pour fabriquer votre propre compost. Après quelques mois de décomposition, en retournant de temps en temps le mélange et en ajoutant un peu d'eau, si besoin, vous obtenez un amendement organique prêt à l'emploi. J'ai une remarque à vous faire. Adaptez les apports aux besoins des plantes, car un excès d'engrais peut être néfaste et favoriser l'apparition de maladies et de champignons. En bonus, je vais vous parler de comment, n'est-ce pas, fabriquer son pesticide naturel pour la maison. Pour cela, il faut une tasse d'huile végétale, une cuillère à soupe de savon noir ou de Marseille et de 250 ml d'eau. Faites chauffer l'eau à feu doux, ensuite ajoutez 2 cuillères à café du mélange obtenu d'huile végétale et du savon. Il ne reste qu'à vaporiser directement sur les plantes. En bonus également, je vais vous parler du bicarbonate. Est-ce que le bicarbonate est bon pour les plantes? En relevant le pH, le bicarbonate de soude agit en préventif pour protéger les plantes des maladies cryptogamiques comme le mildiou ou l'oïdium. Ce pourrait bien être la solution idéale pour remplacer la bouillie bordelaise. Versez 1 cuillère à café de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau. Et vaporisez cette eau sur vos plantes. Est-ce que le vinaigre blanc tue les plantes? Le vinaigre blanc est connu pour être fongicide. Vous pouvez donc soigner les plantes infestées par des champignons et des moisissures facilement. Pour revenir, n'est-ce pas, à la marque de café, comment utiliser la marque de café ou de vieux sachets de thé comme engrais? Nous l'avons étayé tout à l'heure, mais ça c'est juste un petit bonus que je voulais ajouter. Toute l'année, sur les plantes vertes intérieures, les salades, les arbustes à feuillage et certaines plantes aromatiques, grattez la terre avec une griffe au pied de la plante, enfucez une poignée de marque de café, arrosez la terre en pluie fine. Comment utiliser vos sachets de thé? Au printemps, sur les plantes fleuries, les arbres fruités et légumes, déposez vos sachets de thé usagés dans votre arrosoir, versez un fond d'eau et laissez reposer quelques heures, remplissez d'eau et arrosez les pieds. Déplantation. Alors, dernier bonus, comment faire de l'engrais avec des mauvaises herbes? Pour faire de l'engrais avec de mauvaises herbes, vous devez déposer des mauvaises herbes dans un seau étanche, remplir le seau d'eau de pluie de préférence, remuer quotidiennement le mélange à l'aide d'un bâton, répétez l'opération pendant 3 à 4 semaines, filtrez le liquide à l'aide d'une passoire, versez le liquide dans des bouteilles pour le stocker en évitant les odeurs. Merci de votre attention, je vous souhaite une agréable et belle journée.